c'est l'histoire donc de Georges Marc Benamou qui devient conseiller culturel auprès de Nicolas Sarkozy et qui découvre, qui redécouvre ce monde politique avec les arcanes du pouvoir et les coulisses du palais de l'Élysée et qui nous raconte ça dans ce livre avec un ton qui est agréable parce qu'il est à la fois un insider parce qu'il est dedans et en même temps il a toujours un regard extérieur, c'est-à-dire qu'il vit les choses et en même temps il les analyse et il nous les raconte comme s'il les voyait de l'extérieur en restant très, très froid parfois et très cynique même par rapport à ce qu'il peut apercevoir dans les coulisses du pouvoir. Il m'a beaucoup servi parce que je l'ai lu au moment où je suis un peu après être devenue élue et j'ai trouvé que ça nous apprend beaucoup de choses en fait sur les coulisses du pouvoir, alors à une autre échelle bien sûr, parce que lui parle de l'Élysée et moi ce que je vis ça se passe dans une mairie, d'une ville en province, mais il y a quand même des choses qui sont toujours les mêmes dans la politique quand on arrive dans le milieu politique et quand on n'en vient pas. Moi je fais partie d'aucun parti politique, j'ai jamais longuement milité dans un parti, et d'arriver, de découvrir comme ça les codes, le langage, les manières dont les gens se parlent entre eux et parlent aux autres, c'est très intéressant. Ça donne confiance parce qu'on comprend que lui aussi a des doutes et que lui aussi se demande finalement quelle est sa place, est-ce que tout ce décorum politique et du pouvoir de façon générale est bien utile, et finalement il livre quelques clés. C'est intéressant pour les gens qui veulent se lancer en politique. Je pense que les citoyens et les citoyennes doivent reprendre la politique en main et ne plus se dire on va la laisser aux mains des spécialistes. Ça n'existe pas, les spécialistes de la politique, finalement, c'est tout le monde. La politique, c'est la chose publique. Je pense que ce type de livre peut donner envie aux gens de désacraliser un petit peu la chose publique. Je pense que ça peut désacraliser le pouvoir de façon générale. Alors lui, c'est dans la politique, mais ça peut être le pouvoir dans le monde du travail. Ça peut même être le pouvoir en famille ou dans le milieu associatif. Il y a aussi des luttes de pouvoir parfois dans le monde associatif. Et je pense que ça peut aider à avoir un regard un peu plus distancié, à moins prendre les choses à cœur aussi, à moins être révolté en permanence aussi. Ça fait mûrir finalement. Donc ça nous aide aussi à voir, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de se faire licencier par exemple, il peut lire ça en se disant mais finalement qu'est-ce que ça m'a appris sur les gens, sur les humains, comment fonctionnent les êtres humains entre eux de façon sociale, comment remettre chaque personne à sa place. Et qu'est-ce qui était drôle aussi finalement, qu'est-ce que je pourrais raconter? On se dit toujours qu'est-ce que je pourrais raconter à mes enfants, à mes petits-enfants. Un sentiment d'imposture traîne en moi dès l'origine. Non pas l'inévitable manque de confiance en soi dans un nouveau métier, mais autre chose. La peur d'être découvert, d'être comme pris en faute. La peur d'être illégitime face aux technocrates et aux politiques que je fréquente. C'est une culpabilité confuse, pesante, d'abord informulée. Le sentiment d'imposture dont je parle est le bizarre reflet de soi, la distorsion entre leur regard sur le puissant que je suis censée être et ma vérité de petite chose perdue dans le palais. Entre ce que je lis dans les journaux et derrière le masque, l'être inquiet, toujours inquiet, qui tente de jouer le jeu. Mais quel jeu ? Présider sans se trahir tous les jours des réunions interministérielles, donner la direction, l'impulsion, arriver dans une instance pour donner l'arbitrage du palais, trancher tous les jours, trancher. Et avec une tranquille autorité de puissant devant des assemblées de hauts fonctionnaires encravatés, surcompétents, qui vous regardent bizarrement et vous demandent la voix doucereuse, si l'on pouvait envisager un cavalier législatif. Ou voir figurer cette mesure dans une LOLF rectificative, car depuis la LOLF, tout a changé. Traduire ce charabia, une langue finalement simple, que l'on rend opaque, pour mieux vous faire sentir votre caractère exogène dans cette assemblée compétente. Potasser la nuit, se souvenir que j'ai été avocat. Apprendre leur langue pour qu'ils ne se doutent de rien. Certains matins, en me rasant, je me trouve bizarre, avec cet uniforme et le chauffeur qui attend en bas.